que vous êtes déjà demandé pourquoi plus personne ne croit au dieu grec. Alors que la mythologie grecque, c'est quand même un sacré truc, avec la mythologie égyptienne. Et je me suis demandé pourquoi aujourd'hui on a des cultes, des temples, des églises pour la religion catholique, musulmane ou hindoue, mais il n'y en a aucun pour les dieux grecs. Alors que pourtant je trouve que c'était assez cool. Zeus avec son éclair, Poséidon, Hermès, Phaistos, Dionysos et tout ça. Perso, quand je vois les films de Marvel, ça me fait penser à ça. Et je trouverais ça cool que on continue d'y croire parce que c'est quand même cool, c'est une bonne ambiance, la mythologie grecque. Comme je disais avant, je crois qu'il n'y a rien de mal à y croire. Je crois qu'il y a des esprits qui se baladent et il faut arriver à les capturer pour avoir de l'énergie et se balader dans la forêt, capturer ces moments aussi, ces petits renards de lumière. Ah, d'ailleurs là j'ai vu la série The Last Airbender sur Netflix. Ça m'a fait penser aux renards dans l'esprit spirituel, dans le monde spirituel des esprits. L'esprit qui se balade, enfin l'esprit de renard. Et en fait, dans le monde réel, c'est une princesse et elle se balade dans ses rêves en tant que renard. Donc je trouve ça vraiment cool que... Imaginez si ça existait vraiment. C'est juste qu'on ne peut pas les voir, mais imaginez s'ils étaient là. Ça peut être cool. Moi, j'ai déjà fait des vidéos de danse ici. Peut-être que la danse est comme un rituel qui invoque ses... esprits, et plus on fait de danse, plus on a de chance d'arriver à avoir leur énergie. Ici, c'est ma première danse que j'ai faite. Si vous tapez Light Fox Dance épisode 3 ou 4, la première danse dans la forêt que j'ai fait ici. C'est lointaine, mais c'est marrant de dire que c'est dans la forêt parce que c'est une forêt recouverte de petites collines, alors que c'est une forêt dans la ville en fait. Et je l'ai fait là parce que c'était un peu caché, j'étais tout seul. Je n'avais pas regardé les autres. Et je suis vraiment super content, je crois que je monte cette montagne. Je l'appelle la colline de la danse. Parce que mon but c'est d'amener la K-pop en Europe. Être l'un des premiers européens à faire de la danse et des groupes de danse. Donc j'amène l'énergie de la Corée du Sud jusqu'en Grèce, jusqu'en Europe. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient fait des vidéos de danse sur cette colline de Lycabette. Donc, premier arrivé, premier servi.